Ouais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un update life. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Et en même temps, je vais me maquiller pour que ce soit un peu plus intéressant pour vous. Pour une fois, depuis très longtemps, je vais utiliser des pinceaux propres. Je suis trop heureuse. Je pense pas que je vais préciser ce que j'utilise sur ma gueule. On s'en fout. Le plus important, c'est ce que je raconte, ce que je sors de ma bouche. On va commencer à se maquiller, mon chêne. T'es là, tu racontes ta vie, c'est super. Ok, j'en ai trop mis. Bon. Ouais, donc hors caméra, j'ai déjà fait mes sourcils parce que sinon j'allais mettre en pis, j'ai pas que ça à faire. Les sourcils, c'est ce qui me demande plus de temps alors que bah, c'est le truc le plus important de mon visage, donc je comprends. Alors déjà, on va commencer par comment je me sens en ce moment. Alors je me sens bien, là actuellement je me sens bien. Mais il n'y a pas très longtemps, je me sentais pas... C'était pas ouf quoi, c'était pas ouf. Mais là actuellement, je me sens bien, genre je suis heureuse, je me réveille tous les matins à une heure convenable. Hein. Pas comme il y a quelques temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. Je fais des lives souvent. Donc, je voulais mettre un peu partout dans sur l'écran mon Snap, Insta, machin. Je verrai comment je vais me débrouiller. Alors, le fond de teint, comme je vous ai déjà dit, il est un peu trop clair. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Je crois que je vais mettre une touche de plus foncé. Comme je suis conne, je n'ai pas humidifié ma Beauty Blender. Je reviens. J'ai humidifié ma Beauty Blender. Du coup, moi, je suis un peu déter sur YouTube là. Donc mon avenir sur YouTube, comment je le sens, bien, enfin j'espère, pour l'instant, à chaque fois je dis ça et à la fin je viens pas, je suis là sans être là, vous avez l'habitude avec moi, mais dernièrement j'aimerais bien revenir sur YouTube comme à l'époque, genre, attends, avant j'étais trop là, je sortais des 4 vidéos par semaine, j'avais vraiment la foi, j'avais vraiment que ça à faire de ma vie en fait, actuellement aussi j'ai que ça à faire, mais je sais pas, je trouve le moyen de faire autre chose de ma vie, je sais pas, vous voyez c'est beaucoup trop clair genre, enfin là, ça va avec là, mais ça va pas avec là. Et mon visage en soi. Genre. Je sais pas. Bref. Donc, j'aimerais revenir sur YouTube. N'hésitez pas en commentaire à me dire des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Voilà, moi j'ai eu plein de petites idées. Mais je vous en parle pas. On en reparlera après. Voilà. En fait, j'ai eu l'idée de faire des épisodes. En fait, je sais que mon avenir amoureux vous intéresse tellement. On en parle très souvent en live Insta. Tellement c'est chaotique, j'ai décidé de faire une série sur YouTube de ma vie amoureuse. Je vais faire des épisodes, sachez-le. On va faire des épisodes, ça va être sympa, ça va être drôle. Regardez la différence. Alors sachez que j'ai pris du poids. Malheureusement. Bah, en fait, j'ai malheureusement comme si c'était pas de ma faute. C'est de ma faute, sachez-le. Je fais que de bouffer. Je bouge pas, je fais rien, je sors même pas. Je sors même pas de chez moi. Je suis tout le temps chez moi à bouffer comme si c'était ma seule occupation dans le monde. D'ailleurs, je vais faire une vidéo aussi sur mon poids. Je vais vous donner des nouvelles, la sleeve, pas la sleeve. D'ailleurs, venons, on en parle de la sleeve qui a un échec sur moi. Ma santé est à zéro. Ma santé, zéro. Plus la merde. Je fais des malaises H24. Mon dernier malaise date d'il y a une semaine. Ensuite, j'ai osé faire un malaise en pleine boîte de nuit. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis allée en boîte avec ma copine et tout. Et des potes à nous, bref, on s'en fout. On arrive, tu sais, eux ils ont pris des bouteilles, bref, c'est. Bref. Et tu sais, tu vois, pour payer les bouteilles. Déjà, on était rentrés, on était trop heureux parce qu'il y avait plus de mecs que de meufs. Et ça, c'est très rare que les gens rentrent dans ce genre de groupe-là. Bref. Donc, on était trop heureux, on a réussi à rentrer, on s'est pas fait jarter comme des bourros. D'ailleurs, ça m'est jamais arrivé. Alhamdulillah. Et. Je suis où j'ai dit alhamdulillah pour ça? Pardon. Du coup, je disais, on va pour faire la queue et tout. Et je sais pas, j'ai eu un coup de chaleur, bam, je tombe. Et j'ai foutu la honte à tout le monde. Et du coup, bah, à ça, Shainez, ma pote qui est venue avec moi, en gros, elle allait venir avec moi dans une voiture et attendre des autres. Genre, j'allais niquer sa soirée. Après, je me suis dit, non, bon, j'allais dire que sa mère, relève-toi et va, quoi. Et donc, j'ai quand même fait ma soirée tranquille de mon coin, malgré que j'ai fait un malaise. J'aurais dû prendre ça comme un signe, mais je sais pas, j'y suis allée quand même, quoi. Je sais pas, je suis allée quand même, bref. La caméra, j'aime pas du tout ce que ça fait. En vrai, dans mon miroir, c'est magnifique, je comprends pas. Vous êtes beaucoup à me demander des nouvelles de mon Joon. C'est bizarre de lâcher la phrase comme ça, non? Mais c'est réel, genre, j'ai un Joon amoureux. Pour ceux qui ont raté ma dernière vidéo, ma story time, je vous mettrai la story time en barre d'infos. Bref, en gros, j'ai un Joon amoureux, c'est confirmé, c'est plus que confirmé, bref. C'est pas passé énormément de choses depuis la dernière fois que j'en ai fait une vidéo. Je l'ai revu une fois. Par contre, il m'a fait une phrase trop bizarre, faut que je vous raconte. Non, mais vraiment, il m'a fait un truc trop bizarre. Donc là, je suis en train de me dire, en fait, il est vraiment bienveillant ou pas. En fait, je sais pas. J'hésite. Faut pas que je commence à me dire qu'il est gentil parce que je vais être dans un délire. Après, je commence à discuter avec eux et tout. Bref, j'étais allongée dans mon lit et cette fois sur le ventre. Donc, j'étais sur le ventre. Ça arrive très rarement, on est d'accord. Normalement, c'est quand t'es sur le dos.
Bref, donc pour moi, je croyais que j'avais un bouclier, je dors sur mon ventre. Et que ce soir-là, j'avais pas mis de Coran. Bref, sachez que depuis, je dors qu'avec du Coran tous les soirs. Hein. Je casse les couilles à tout le monde, mais c'est la vie, c'est comme ça. Bref. En plus, le pire, c'est que c'était pendant une de mes siestes. Je me réveille en pleine nuit parce que je sens ma couverture qui s'enlève. Donc il y a ma couverture qui s'enlève. Oui, ma couverture s'est enlevée. Oui, ma couverture elle s'enlève. Je me dis, oh vas-y, c'est rien, c'est mon père. Parce que mon père, il aime trop rentrer dans ma chambre la nuit, éteindre mon téléphone. Bref, il a dû déplacer ma couverture qui traînait par terre, c'est rien. Donc je reviens à dormir. Et vas-y, là, je commence à sentir un poids sur mon dos. Donc là, je commence à sentir un poids sur mon dos. Là, je commence à me dire, c'est pas normal. Donc là, je me suis dit, oh non, pas ça. Oh non, s'il te plaît, mon Dieu. Parce que dans ma tête, j'allais me faire viol. Dans ma tête, je me suis dit, ça y est, c'est fini pour moi. En plus, ce jour-là, je dormais en culotte. Je me suis dit, putain, ça y est, c'est mort pour moi, ça y est, c'est fini. Parce qu'en plus, dans ma tête, j'ai dit, non, s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, mon Dieu. Et comme vous savez, on peut pas bouger quand ça arrive. Donc, bref. Donc, le truc qui était sur moi se met sur le côté. Donc, moi, je suis comme ça sur le ventre, comme ça, en train de dormir. C'est-à-dire, je vois, il y a ma tête qui est comme ça. Je vois, il est posé comme ça sur les genoux, sur mon lit, sur les genoux. Et en gros, il commence à me faire du vent. Il me fait du vent, le poteau. Je sais pas, j'avais froid. Donc, si j'avais une couverture, c'est forcément j'avais froid. Pourquoi t'es là, tu me fais du vent? J'ai pas compris. Donc, en gros, je crois parce que mon cœur faisait. Et limite, je pouvais plus respirer. Je me sentais trop mal. J'avais peur, tu vois. Et en gros, je sais pas, bah, il me fait du vent. Genre, peut-être qu'il voulait me dire, n'aie pas peur, ma belle, t'inquiète. On devrait pas, hein, faut pas en rigoler. Hein. Attention, faut aller faire une roquette si jamais ça vous arrive. Hein. Faut aller voir un imam, faut faire quelque chose, là. Mais je sais pas, moi, depuis, je suis toujours pas allée voir un imam. Je laisse traîner, je me dis, il partira lui-même. Il va voir que je suis une tarée, il en aura marre de ma gueule, lui-même va partir. Lui-même va partir, il va pas me supporter. Enfin, vraiment, mon best anti-cerne, bref. Donc, du coup, voilà, la seule phase qui s'est passée depuis, et depuis, bah, plus rien. Mais tant mieux, hein, tant mieux. J'attends pas qu'il se passe quelque chose pour faire des vidéos, je vous le dis. Ah non, 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 non. Donc, s'il se passe plusieurs choses, bah, je les regrouperai, je vous ferai une vidéo. Mais pour l'instant, il se passe rien et tant mieux. Franchement, ça m'arrange. Puis, je voulais vous parler un peu de mes amours, mais vite fait. Sachez que je suis qu'une grosse merde. De toute façon, vous savez que j'étais une merde et que le bas peuple m'aura toujours. Toujours, toujours. Je suis une boros. Et de toute façon, je vous en ai parlé, je crois que je vous en ai déjà parlé, je sais pas si je vous en ai parlé sur YouTube ou pas. Mais en gros, je pense que j'ai une dépendance amoureuse, genre j'ai un problème psychologique. Non mais réellement, je parle vraiment de problème psychologique, je dois aller voir un psy. Non mais là, ça en revient à aller voir un psy, je vous le dis. Le problème là, je suis en train de le régler petit à petit, genre ça va mieux. Je trouve que ça va mieux, mais je suis toujours autant de bolos. Enfin, je me dis, ah, peut-être que c'est lui. Là, je suis vraiment une bouffonne, frère. On dirait que j'arrive pas à vivre seule, genre j'arrive pas à être toute seule dans ma vie. Non mais j'ai vraiment un problème. Hein. Il y a un pote à moi, vous savez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, peut-être mon jeune, c'est parce que t'as tellement été ronde. Que personne te calculait, tu vois, que maintenant qu'on te calcule, bah genre t'es dans ta fin de prouver. Je pense pas, mais on sait jamais, donc je mets ça comme solution. Je sais pas, je pense pas, enfin, j'espère pas quand même, parce que j'étais quand même en couple, j'étais d'accord, certes obèse et pas ouf, mais en couple. Au niveau des amours, comme je vous disais, bah je vais faire des épisodes, c'est mieux que j'en parle pas là, je vais faire des épisodes. Sachez que j'ai rencontré, depuis que j'ai pas fait de vidéo et tout, hein, j'ai rencontré 2 personnes, ok? 3, en fait je suis dans un. Oui, je vous raconte bien. Actuellement, je suis dans un triangle amoureux. Non, sachez-le, je suis dans un triangle amoureux. Je vais pas dire de blase, rien du tout, parce que sinon, je vais me faire cramer. Mais c'est très gênant, genre. Je sais pas quoi faire. Je suis dans le mal parce que, genre, je m'en fous de leur gueule. Genre, je m'en fous. Mais eux, ils sont à fond dedans, je comprends pas. Non, laissez-moi. Attends, faut trop que je vous en parle. Ah non, ça l'a plus, même pas, je crois que je ferai des vidéos. Non, non, ils vont me cramer, ils vont me niquer. Ils vont me niquer, ils vont me niquer. Je pourrais me faire niquer. En plus, je les aime bien. En fait, je les aime bien en amis. Genre, je les aime bien en mode ah, t'es trop mon pote, genre best friend forever. Elle, marron, je trouve, ça me va trop bien, autant. Avec les cheveux noirs et tout, ça fait trop joli. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est bien beau de trouver moi, mais est-ce que vous le trouvez aussi? Parce que peut-être je suis folle. Je voulais vous dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes montages, je me suis un peu améliorée. Genre, je fais moins bâclé. C'est toujours bâclé, hein. Toujours bâclé, mais un peu moins. Donc, je suis contente. J'essaye de faire des efforts, donc petit à petit, vous allez voir une amélioration. J'espère. Du coup, j'essaye de faire en sorte de faire un truc joli et sympa à voir. Dites-moi si un fond de musique pourrait vous intéresser. Très doux, hein, genre, histoire que ça passe pas trop vide. Dites-moi. Là, je le ferai pas parce que du coup, je sais pas, j'ai pas vos. Ça se trouve, je le ferai, hein, je sais pas, hein, je vais voir. Mais dites-moi du coup si un fond de musique vous intéresse, je le ferai. Déjà, je dois m'améliorer dans les miniatures, je sais, mais j'y arrive pas. J'ai un problème avec les miniatures, j'ai du mal. En plus, faut payer pour faire des belles miniatures. Est-ce que j'ai une tête à payer? Non, en plus il faut payer tous les mois, genre c'est un abonnement, j'ai pas que ça à faire ça. Donc si vous avez des sites ou quoi à me conseiller, dites-le moi. Je vais essayer de m'investir aussi un peu plus sur Insta, les photos et tout. Mais en fait aujourd'hui c'est faut trouver quelqu'un qui fait des photos, faut être belle ce jour-là, faut être... Eh, c'est un taf, hein. Je savais pas moi.
Ça se voit, Zara, qu'est-ce que je l'aime. Ouais, mais par contre, qu'est-ce qui sent le maquillage pas cher? Ça se voit que c'est du make-up pas cher. Genre, j'aime pas. Enfin, ça c'est blindé parfum. Ouais, je sais pas si vous avez connu Gigastore, Tati, tout ça. Stokomani, tout, quand ils vendent des maquillages pas chers, genre Miscope et tout. Ça sent ça. Faut que j'essaye de me reprendre en main niveau poids, en fait. Donc là, actuellement, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai repris post-détox. D'ailleurs, j'ai un code pour vous de moins 15%, donc avec le code Morgane15, je vous le note quelque part. En gros, post-détox, je sais, normalement, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ce que c'est et vous avez à peu près tout testé. Genre, vous avez testé énormément à me faire grave confiance. Vous avez tout kiffé, donc je suis trop heureuse. Voilà, c'est maintenant que je choisis de faire l'aspirateur, lui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et en gros, c'est un thé qui te permet d'aller chier. Clairement, oui. Disons les termes. Et du coup, bah forcément, tu perds du poids. Le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un de pas régulière. Donc, je le prends une fois, après, je le prends pas. Après, je le prends, après, je le prends pas. Donc là, je vais le prendre plus fréquemment. Oui, donc tous les soirs. Ça va le faire. Ça va le faire. Et normalement, ma perte de poids, bah. Genre, j'aurai une petite lancée qui va me déterre. Et j'ai envie de me lancer dans le sport aussi. Genre, quand j'étais en centre d'amaigrissement, je pense que vous savez, j'ai fait un centre d'amaigrissement pendant 3 mois. 3 mois et demi, en 2017. Donc, j'avais 17 ans. On avait des séances de sport tous les jours. Et du coup, j'ai appris plein de trucs. Genre des trucs pas trop compliqués. Du coup, je vais m'y mettre. D'avoir une reprise en main, mais dans tout, genre dans ma vie, dans mon travail. Je sais pas si vous savez, mais je fais des micro-needling, blanchiment dentaire et tout. Et j'aimerais me professionnaliser. Genre acheter d'autres produits, d'autres gammes, être au-dessus des gens. Genre, ah ouais, non, mais je suis dans un délire. J'ai envie de faire d'autres prestations et tout. Me perfectionner dans le micro-blending aussi. J'ai envie de faire plein de choses. Mais le problème, c'est qu'à un moment, je veux faire du micro-blending. Après, j'ai plus envie. Après, j'ai envie. Après, j'ai plus envie. Bref, je sais pas. Je réfléchis, hein. Non, mais un tout petit peu. Niveau de la série que je voulais faire sur YouTube, Zarma, sur mes sur le bas peuple là, sur la race inférieure, donc les hommes, hein. Je vais faire chaque épisode pour chaque personne. Chaque personne que je vais rencontrer, il aura le droit à une vidéo. Ah, rien à foutre. Oh, je vais les finir, ces clochards. Je vais les finir. De toute façon, vous me connaissez, vous savez très bien que je suis totalement capable. Oui, je mets du blush à chaque fois sur mon front. Ouais. Ne me demandez pas pourquoi. À chaque fois, je trouve que ça joli. Donc là, je le fais. Là, j'ai envie de faire un trait d'eyeliner marron. Mais le problème, j'ai peur que ça nique tout. Donc, je pense que je vais faire plus un trait d'eyeliner. Et un trait d'eyeliner avec du fard à paupières. Bon, du coup, j'ai fait mon trait d'eyeliner. J'en suis pas très fan. Là, je l'ai super mal fait. Mais en même temps, parce que j'avais pas les pinceaux adéquats. Parce que mes pinceaux pour les yeux, je les ai pas lavés, bien évidemment. Je veux bien être quelqu'un d'être propre, laver mes pinceaux, faire crinerie, être quelqu'un d'investi. Pas à 100%, doucement. Faisons les choses doucement. Bon, du coup, là, on va discuter projet. J'ai pas de me porter l'œil, mais pff, franchement, au point où j'en suis. Si ça doit marcher, ça marchera. Si ça doit pas marcher, ça marchera pas. Donc, en gros, j'avais un petit projet, en gros, de faire de la vente de bijoux inoxydables, donc en acier inoxydable. Donc, en gros, tu as dans l'autre, tu fais ce que tu veux, ça ne s'oxyde pas. Mais à un prix pas cher, genre. Pas comme les autres qui mettent ça 10 000 dollars, faut arrêter les conneries, hein. Genre à un prix abordable pour les personnes justement qui n'ont pas les moyens. J'en fais partie de ces gens-là qui n'ont pas le moyen. J'en fais partie. Mais en gros, c'est un truc que je veux faire depuis longtemps. Je veux trop faire ça avec des beaux petits packaging et tout. Vous mettre des petits cadeaux et tout, bref. Du coup, je vais faire ça, je pense, quand je... Franchement, je sais pas. Je vous ai dit aussi, j'aimerais trop faire ma ligne de vêtements grande taille. À chaque fois, on met en avant les autres, mais on met jamais en avant les grandes tailles. On dirait que c'est... Je sais pas si une marque spéciale grande taille existe sur que grande taille, genre. Genre qui donne leur queue aux grosses. Je sais pas si ça existe, ça. Mais le problème, c'est que c'est compliqué. Genre, j'ai cherché des grossistes, j'ai cherché ce que vous voulez. À chaque fois, les vêtements sont dégueulasses. Les vêtements sont moches. Désolée, mais moi je vous propose pas de la merde en fait. Non, je suis pas d'accord. Mais go, faut qu'elle soit fraîche en fait. Pas qu'elle ressemble à des batatas ou bien en fait. On a pas que ça à faire. Oh, en fait, j'aime trop mes yeux là. Attends, les fossiles, qu'est-ce que ça m'irait trop bien. Je sais pas les mettre comme je suis une merde. Je trouve qu'on a pas assez discuté sur cette vidéo. Je sais pas, en fait, je crois que j'avais pas de... En fait, quand je me suis lancée comme ça, en mode vas-y, filme une vidéo de ta mère. Bah du coup, bah... Bah là, il n'y a pas de sujet de vidéo, c'est nul. Je sais pas. Genre, je suis déçue. Donc là, je vais mettre un rouge à lèvres de chez NYX Lingerie, genre qui date. C'est le séduction. J'ai des années, j'ai pas mis d'highlighter, j'ai envie d'en mettre. Donc, on va en mettre. Donc, pour ce faire, on va utiliser le MAC. Attends, je vous ai dit que j'allais pas vous dire les trucs en détail, putain. Coucou, on est en 2017. Après, c'est démodé de mettre de l'highlighter déjà. Ah, parce que je trouve ça gravement démodé. Hein. Je suis désolée, mais ouais. Je rigole, hein. Tout le monde fait. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Oui, je serai comme une hypocrite.
Donc comme je vous ai dit, je vais essayer vraiment de revenir sur YouTube et de m'y tenir. N'oubliez pas, s'il vous plaît, en commentaire, de me dire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, c'est très important. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Mettez la cloche, parce que vous voulez, ma chaîne, c'est votre chaîne. Vous-même, vous savez. Je vous laisse me suivre sur tous les réseaux. Et en attendant, une nouvelle vidéo. Je vous laisse et je vous fais de gros bisous.